Cette semaine, à Tolin la bouffe. Le chili traditionnel en canne. Bienvenue à Tolin la bouffe. Un escargot en peur grimpait là-haut de pente d'un fraisier. Et le tout doucement, il pèle et va tomber tété. Encore un kilo. Ah! Désolé tout le monde, mais moi, un artiste qui vend son CD au dollar en mort, faut que ça passe dans mes vidéos. La version complète de cette chanson est à la fin du vidéo. Ouais, ben là, il y en a qui vont me dire: ouais, Stéphane, t'es pas fan de rire du petit Jérémy? Si t'es un artiste, ton CD est rendu au dollar à mort. Eh, je peux. Il y a quelques jours de ça, je vous ai fait voter pour le produit que vous vouliez que je goûte dans vos prochaines vidéos. Vous avez le choix du pudding, du biscuit, puis du chili en canne. Et vous avez choisi très, très, très fortement. Le chili en canne. C'est 1,25. C'est de la marque Buffet. Et c'est un produit canadien! Ça sent la soupe en canne. Quand je disais que ça sentait la soupe en canne, ça sent vraiment la soupe chunky de Campbell. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, on y retrouve du bœuf, des haricots rouges, quelques petits morceaux de carotte. En gros, c'est ça. J'ai sûrement déjà eu pire comme dégustation à faire. Ça me fait pas peur, ce petit chili-là. Ouais, mais c'est pas mauvais. Mais je mangerais pas la canne au complet, c'est sûr. Je suis peut-être pas amateur de chili. Là. J'ai déjà goûté un chili mieux que ça. C'est un peu épicé. Je vous le conseille. Ça va terminer. J'aimerais dire merci à François Dubreuil pour ces trois petites vidéos qu'il a faites pour mon intro de la bouffe. Et je vous invite à visiter sa page sur YouTube. Ah oui, comme il y en a qui ont pu voir, j'ai commencé à faire des dégustations live. Eh oui, j'ai commencé ça. Mais la dégustation que j'ai faite l'autre jour, c'était pas une officielle. On va en faire une vraie. Mais là, j'attends ma webcam. C'est ce qui termine la vidéo de cette dégustation. Je vous invite à écouter la petite chanson complète de petit Jérémy. Écoutez le nombre de mots que vous comprenez. Un escargot en peur grimpait là-haut de pente d'un fraisier. Et le tout doucement, il pèle et va tomber tété. Encore un tiré par victoire, il est monté. Tralala, canon tonné. Oui, monsieur.